Jean-Paul Hamon, vous êtes généraliste et président de la Fédération des médecins de France. D'abord, on écoute tout de suite le Premier ministre ce matin à Chalut. Merci d'être avec nous. Il n'y a pas une solution pour lutter contre cette très inégal accès aux soins sur l'ensemble des territoires français. Nous, notre plan, c'est pas, je ne crois pas du tout à l'idée qu'on puisse imposer de Paris une solution pour tout le monde. Je pense qu'il faut faire confiance aux acteurs de terrain. Si les médecins, si les professions médicales et paramédicales, et si les élus locaux s'entendent pour identifier le bon projet au bon endroit qui va répondre aux bons besoins, et ben dans ce cas-là, nous, on doit faire en sorte que ce soit possible et faisable. Jean-Paul Hamon, quand vous entendez le Premier ministre parler ainsi de la lutte contre les déserts médicaux comme priorité du gouvernement, vous vous dites quoi? C'est pas trop tôt? C'est pas trop tôt parce que ça fait 15 ans qu'on en parle et je vous rappelle que dans 2025, la France aura 25% de médecins généralistes en moins. C'est la France entière qui se désertifie. Vous savez, Édouard Philippe et Agnès Buzyn auraient pu améliorer leur taxe carbone en faisant leur conférence à Paris Intramuros, qui a perdu 20% de ses généralistes en 10 ans. Donc ça n'est pas rien. Alors il propose effectivement de doubler les maisons de santé pluridisciplinaires. Moi je pense à mes amis de l'Union régionale des médecins libéraux de Normandie, qui en 8 ans et 3500 réunions, excusez du peu, ont monté 107 maisons de santé et pôles de santé pluridisciplinaires. 3500 réunions en 8 ans. Et là, on est en train de nous dire qu'on va doubler les maisons de santé d'ici la fin du quinquennat. J'ai quelques doutes et surtout j'ai quelques inquiétudes parce que le gouvernement propose de mettre 60 000 euros pour que les maisons de santé pluridisciplinaires fonctionnent. Mais combien mettent-ils sur les médecins qui sont déjà regroupés entre eux depuis longtemps, qui assurent une continuité des soins et une coordination des soins sur le territoire? J'étais au téléphone ce matin avec le docteur Frugier, qui est installé pas très loin de Charlus, justement, qui lui est à Le Vigan et qui est avec 5 médecins généralistes, qui est dans une zone, dans Limousin, dans une zone désertique. Combien on va donner à ces médecins pour qu'ils tiennent, qu'ils continuent à tenir le territoire? Il ne faut pas mettre tout cet argent sur les maisons de santé pluridisciplinaires. Les médecins regroupés qui assurent une continuité des soins, qui assurent une coordination des soins, qui font la permanence des soins, eh bien ces gens-là, il faut les encourager à rester regroupés parce que ça a un coût. Et quand ils voient toutes les subventions partir vers les maisons de santé et vers les centres de santé, je peux vous dire qu'ils sont quand même un petit peu énervés parce qu'eux, ils se sont regroupés bien avant qu'on trouve que ce soit la mode. Bien sûr. Mais le développement de ces centres de santé, ça peut être aussi une façon pour inciter les jeunes médecins à ne pas se retrouver isolés. Ça peut les inciter à s'installer dans ces régions. Il n'y a pas 50 façons d'inciter les jeunes médecins à s'installer. C'est de leur faire découvrir, lors de leurs études, la médecine libérale. Mais une médecine libérale qui fonctionne avec du personnel, avec des locaux corrects et une caisse d'assurance maladie qui ne harcèle pas les médecins s'ils prescrivent trop de transport en ambulance ou trop d'indemnités journalières. Donc il faut que les médecins connaissent, que les étudiants connaissent lors de leur cursus universitaire l'exercice libéral pour qu'ils n'aient plus peur de s'installer. Et pour les zones démographiquement faibles, il faut faire comme ça a été fait en Corse, un petit peu dans la Creuse et un petit peu à Belle-Île-en-Mer, qu'on double ce qu'on loge les internes, qu'on double le salaire des internes. Ça a marché en Corse. On demande d'ailleurs que ce doublement existe aussi dans les DOM qui manquent d'internes, parce que là aussi, ce sont des zones démographiquement faibles. Il faut doubler le salaire de l'interne pour que les jeunes aient envie d'aller faire leur stage là-bas et permettre justement de lutter contre la démographie. Ça a marché en Corse depuis 8 ans. Les médecins sont venus. La Corse manquait d'internes. Ils ont doublé le salaire. Ils ont logé les gens. Et maintenant, la démographie redémarre en Corse. C'est ça qu'il faut faire. J'ai entendu le Premier ministre dire qu'il allait mettre 500 stages supplémentaires. Il en faudrait 6 à 7000. Ils ont compris qu'il y avait un gros problème, mais la volonté est là, mais les moyens manquent cruellement. 500 stages alors qu'il faudrait 6 à 7000 stages justement pour que les étudiants découvrent l'exercice libéral. On va regarder une carte. Il y a un paradoxe quand même, c'est que la France, elle n'a jamais compté autant de médecins. Oui. Hein, il y en a plus de 216 000 à peu près en 2017. Et pourtant, les déserts médicaux persistent, voire s'étendent. Alors les régions qui souffrent le plus hein, de ce manque de praticiens, les voici. Le Centre, Val-de-Loire, Pays de la Loire, Hauts-de-France, Bretagne, Corse. C'est vrai que quand on voit cette carte, on se dit évidemment comment pousser ces jeunes médecins
à venir découvrir ces territoires. Je pense qu'il n'y a pas 50 solutions, je vous le disais. Hein. Quand vous découvrez, regardez, je prenais l'exemple, je suis allé à Royères-de-Vassivière, qui est dans la Creuse, il y a 3 mois. Les médecins sont isolés et ils sont dans des déserts de population, qui est très dispersée. Les médecins ont dit on ne va pas créer une maison de santé parce que ça obligerait les patients à faire 30 ou 40 kilomètres pour venir nous voir. Donc, ils se sont équipés, ils ont partagé leurs fichiers, ils ont demandé au maire de loger les internes. Et maintenant, ils ont actuellement 2 collaborateurs libéraux qui sont d'anciens internes. Ces gens-là, ces médecins-là, ils ont découvert une médecine de premier recours qui est passionnante à exercer. Et quand vous êtes jeune, vous avez envie d'exercer votre métier, que vous voyez que vous êtes reconnu et que vous le faites dans de bonnes conditions, avec une continuité des soins, avec une coordination des soins, et que c'est valorisé, les jeunes découvrent une médecine libérale passionnante à exercer et ils s'installent. Et quand les enfants arrivent, quand ils ont des enfants en bas âge, et que les enfants arrivent à un âge où on va peut-être les mettre en pension, ou alors le médecin va quitter l'endroit pour aller près d'un lycée, mais pendant 7 ou 8 ans, on a créé les conditions d'un turnover. C'est ça qu'il faut faire. C'est quand même pas difficile à mettre en place. 200 millions d'euros d'incitation financière pour pousser ces médecins à s'installer, ça vous paraît bien ? 200 millions, ils ont parlé de 400 millions, hein. Ils ont parlé de 400 millions et ils ont parlé de 60 000 euros d'aide à la maison de santé pluridisciplinaire. Vous savez, nous on demande 3 milliards immédiatement sur parce qu'il faut vraiment un plan Marshall. Écoutez, je ne sais pas comment on peut dire, mais 25% de généralistes en moins dans 8 ans, mais qu'est-ce qu'il faut pour qu'on ne mette pas de l'argent nécessaire là-dessus ? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on organise le système de soins ? Le gouvernement parle de développer la télémédecine. Alors, c'est la consultation d'un médecin par écran interposé. On se retrouve en fait presque dans une cabine, par exemple chez le pharmacien, et on voit et on a une consultation avec un médecin qui se trouve à plusieurs centaines de kilomètres. Alors, vous y croyez ? Vous y croyez pas ? La télécabine, je veux bien, mais non. En fait, nous, ce qu'on défend actuellement, c'est l'installation de chariots de télémédecine dans les maisons de retraite. Parce qu'actuellement, avec une séquelle des 35 heures, bien souvent, le week-end, c'est une infirmière intérimaire qui est confrontée à des pathologies de personnes qu'elle ne connaît pas forcément. Donc, il y a des hospitalisations qui sont inutiles. Donc, on demande qu'on équipe en priorité les maisons de retraite de façon à ce que l'infirmière puisse se mettre en rapport avec le médecin, que ce soit le médecin de garde ou le médecin dans une maison médicale de garde ou même le médecin libéral, pour éviter ces hospitalisations. Et ça, c'est un investissement qui est immédiatement rentable. Alors, le Premier ministre a également dit qu'il fallait le mettre dans les zones reculées. Et il a bien fait d'ajouter qu'il fallait assurer le débit dans ces zones reculées, parce que quand je suis allé à Royères-de-Vassivière, je peux vous dire que le téléphone déjà avait du mal à passer. Alors la télémédecine, c'est pas gagné. Alors il y a une autre piste, c'est ce qu'on appelle la délégation de tâches entre professionnels. C'est le pharmacien qui peut vacciner ou faire un certificat médical. Ouais, écoutez, la vaccination chez le pharmacien... C'est un peu énervant parce que c'est pas la vaccination qui prend du temps aux médecins. On a vu que les médecins s'étaient fait aider des infirmières pour vacciner. Et malheureusement, on a vu que depuis que les infirmières vaccinent, le taux de vaccination contre la grippe continue de diminuer. Parce que ce qui manque, c'est la confiance des Français dans la vaccination. Vous savez, depuis la fameuse campagne de Roselyne Bachelot de 2009. Donc ça, on paye ça encore. Mais pour le reste, c'est pas la vaccination qui nous fait perdre du temps. C'est la surcharge administrative. Oui. Le risque, c'est avec, par exemple, la télémédecine, qu'on dénature le lien entre le patient et son médecin ? Non, mais là, la télémédecine, ça va venir. Ça va être, ça va être une aide supplémentaire au médecin, mais ça va permettre peut-être de prendre mieux en charge ou de consulter un spécialiste, ou même dans les zones reculées ou dans les îles, ça va aider, ça va éviter les hospitalisations. Sincèrement, on va y arriver, hein, incontestablement. On est prêt, hein, la médecine évolue sans cesse, et puis la technologie est au service de la médecine, mais j'espère encore qu'il y aura du contact humain et j'espère qu'on fera en sorte qu'il y ait encore du contact humain en direct sur ce territoire. Merci beaucoup Jean-Paul Hamon d'avoir été avec nous sur ce plateau pour commenter donc ce plan du gouvernement pour lutter contre les déserts médicaux. On a bien compris que vous appeliez un plan Marshall. Un plan Marshall, effectivement, ouais. Et ça, c'est pas un plan Marshall. Merci beaucoup.